Il sait qu'à la voix qu'il a gâté sur mon père, il vient, vous branchez pas. Il vous branchez pas. Je suis là maintenant. Ça va plus se couper. Si c'est coupé, c'est que je viens m'envoyer pour les réseaux. A dit DJ Arafat, dit ses anciens danseurs, quand ils se rendent au lieu de son clip, pour lui demander pardon. Il l'a chassé. Qui est Dieu m'a dit tu l'as chassé. Tu l'as chassé. Toi, mais c'est que t'as nouveau dans ça quand tu poses vidéo là, tu sais ce qui vient en bas. Tu ne l'as pas chassé. On dit qu'on ne danse plus avec toi. C'est ce qu'on a dit seulement. Toi, tu viens, tu fais vidéo, tu dis non, mais les danseurs ne peuvent pas dire qu'ils ne les payent pas. Ah, que non, dans notre vidéo, on a dit qu'ils ne nous payent pas. On dit qu'on danse plus à toi. En même temps, tu dis non, tu nous payes. C'est pas. Non, pas dire que toi tu ne nous payes pas. C'est que c'est ça vraiment. C'est pas bon. Ou bien, tu te mets soit toi-même, viens mort. Dans le discours, là, c'est moins riche, mais tu devais éviter. Peut-être depuis ton discours a commencé là. Tu sais, toi et moi, on parle. Ou bien, on parle. Il a été te croiser chez toi. On s'est séparé en queue de poisson. Chose qu'il n'a jamais voulu. Il est venu chez moi. DJ Arafat, il lui a dit. Depuis je danse avec toi, tu ne connais pas mes parents. Viens connaître mes parents, viens voir où je dors. N'a jamais accepté. C'est Habib Marouane qui s'est levé pour aller voir ma maman. Moi, je ne danse pas pour Habib Marouane. Habib Marouane, c'est mon manager, c'est lui qui doit m'encadrer. Habib Marouane, il ne travaille pas pour lui, il travaille pour DJ Arafat. Habib Marouane, c'est pas lui, mon argent passe. Et puis on dit, oh, c'est lui qui bouffe notre argent. S'il ne donne pas l'argent, si la tête ne donne pas l'argent, là. Habib va nous payer. Il va nous payer comment? Il aussi travaille pour DJ Arafat. Dans le discours même là, comme il le dit, c'est moins riche, mais tu devais éviter, mais viens moi. Tchao! Moi, je te dis, viens voir mes parents. Sinon, que toi, tu n'es pas prêt. On n'est pas allé te voir. Tu dis, toi, tu dors. Quand tu nous appelles à 3h du matin pour dire, venez danser la tête, nous, on n'a pas sommeil, va. On a sommeil que toi. Mais nous, on se jette plus que toi. On a sommeil que toi, mais là, pour ton estime, on se lève. On vient. Pour l'estime qu'on a pour toi, autant pour moi, on vient. Quand des gens travaillent avec toi, il faut les respecter. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Tu te reproches rien, non? Pourquoi on veut te croiser pour parler à toi? Et puis tu mets intermédiaire entre nous. Habib Marouane, ne doit pas être intermédiaire entre nous. Par exemple, quand toi et nous, on est sur la piste de danse là. Tu ne prends pas le micro pour donner à Habib pour dire appelle tel danseur, il va venir casser sa tête pour toi. Si c'est ça, tu nous appelles. Hé, hey, Rifi, ou bien, hé, hey, Christ éternel, viens t'en te jeter, faut tomber sur ton ventre. C'est pas la Bible qui fait ça. Donc, quand on doit te parler là, faut laisser en parler toi. Tu es notre boss, comme tu l'as dit. Tu es pas qu'on aille ailleurs. Pourquoi tu es pas collaborer avec nous? Puis, on te dit que toi, tu passes derrière pour aller. Et puis, il y a des gens qui disent que moi, je passe derrière pour aller demander parole à Arafat. Il y a toutes nos conversations, tout enregistré, viens, mon vieux. Tu peux être trop intelligent, mon vieux. Tiens! À malin et demi. Voilà. Tu es rusé, viens moro. Mais là, je suis un enfant. Hein. Mais ma cabeza là, c'est trop déjà. Tu appelles ma maman. Toi, tu es clashé moi, ma maman au téléphone. Maman de ton danseur. Tu racontes que toi, tu nous payes demi-millions. Nous, on n'a pas encore parlé. Toi, tu viens parler. Tu nous payes demi-millions. Il était chez lui là-bas la dernière fois, les fans. Lui et moi, on est parti parler. Comme il parle des fanatiques, il oublie que tellement il ne nous considère pas là, il ne sait même pas à quel niveau il nous a mis aujourd'hui. Il ne sait même pas quelle position on a. Tellement il ne nous considère pas. Tu oublies que quand tu vois là, nous on est derrière toi, nous voyons aussi. Mort. Donc si tu parles tous les jours, que nous on ne parle pas, le jour où on a décidé de parler là, tout le monde va vouloir regarder. Quand on a commencé notre discours là, dans les sondages de courage, tu étais quelième, tu étais deuxième là. Actuellement, tu es quelième? Quatrième. Il faut nous respecter. Voilà. Ben là, on a pris notre ventre pour faire tomber pour toi. On ne veut pas tout chier devant les gens. Mais il a parlé un peu, non? On a mal, ben ils ont eu parler là. Il t'attend encore. Ah. Merci. Ah, tu dis que tu avais voyagé. Voilà, là, c'est un dixième. Regardez, qu'est-ce qu'il va sentir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont appeler pour aller s'asseoir avant? Mon cœur est gâté, je ne sais même plus où on coupe, mon ami. Papi, tu veux venir déjà couper, oui, là, mon cœur est chaud.